le jeu. Encore 10 secondes à faire à la punition chez Soumakis. Plouf. Oh! Plouf a été frappé solidement. Là, c'est Clark qui veut s'amener devant Rousseau pour entreprendre le combat. Rousseau ne dit rien. Quelle mise en échec! La gratte a passé. Et là, c'est Mikhalev. Mikhalev face à Conrad. Le long de la clôture. Contre Soumakis. C'est Soumakis. Soumakis face à Mikhalev. Quelle mise en échec de Rousseau sur Plouf. Il l'a complètement déculotté. C'était solide, mais légal, comme on aime. Assommé, assommé, je suis. 5-0, les Olympiques qui demeureront en avantage numérique encore d'un joueur seulement. Là, il y a Pouliot. Pouliot et Godet. Assurément, là, Pouliot va chercher prise à un joueur sur les Olympiques. Mais devant Godet, je pense pas qu'il y a un client là. Non, c'est pas Godet qui va payer la facture, ça c'est sûr. On reprendra directement au centre. Et voilà. Oh! Pouliot là, qui s'en est pris à Godet. Bon coup de poing de la part de Godet qui renverse Pouliot. Et bien fait de la part du joueur des Olympiques. Bon ben, Luc, j'ai eu tort sur toute la ligne. Non seulement Godet s'est arrivé un client, mais il a acheté tout ce qu'il y avait dans le magasin. Oui. Il a reçu une bonne droite de Pouliot. En a donné une aussi. Et il a retourné ce dernier-là. Wow!